Bonsoir Ivana et Ethan, comment vous allez? Coucou, comment vous allez? Ivana, Ethan, vous avez une bonne journée? Vous avez vu ce qui s'est passé ici? Il fait froid aujourd'hui. On a pu mettre un pull de laine et un grand bonnet. Vous voyez mon pompon? Oh, mais c'est le vrai de vrai qui tient bien chaud. Oh, vraiment, c'est l'aventure de l'hiver qui commence. Et alors, on a fait un bon petit chocolat chaud. On aime le chocolat chaud. Vous aussi, vous aimez le chocolat chaud? Je pense que oui. C'est délicieux et ça chauffe le ventre. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous avez regardé des livres, fait des dessins, joué au plomb? Aux voitures? Ah ouais, sûrement. Hein? C'est bien de jouer aux voitures. Alors nous, on adore jouer à la voiture. Ouais. Mais vous vous rappelez que la dernière fois, quand on a joué à cache-cache, le jeu de se cacher et un doit chercher, trouver, Barry, il n'avait pas gagné. Il a dit, je veux rejouer pour gagner. Alors, on le trouve plus depuis quelque temps. Il a dit, je joue à cache-cache, essayez de me trouver, je vais gagner. Et pouf, il a disparu. Alors, nous l'avons cherché. Ah, moi, j'ai cherché derrière la poubelle, sous le pupitre. Moi, j'ai cherché sous mon câlin, dans mon berceau, mais là, il n'était pas là. Moi, j'ai même cherché derrière la porte de la salle de bain. Moi, je suis allée voir dans la voiture, mais il n'était pas dans la voiture non plus. Et pas dans la poussette non plus. Où est-ce qu'on n'a pas encore regardé? Sous la table à manger? Allons voir. Non, il n'est pas sous la table à manger. Oh, je sais. Comment il est un peu grand, il est allé derrière les rideaux. Allons voir tous les rideaux. Il cherche tous les rideaux de la maison. Ah, il n'est pas derrière aucun rideau. Barry n'est pas derrière les rideaux. Et oui, il savait déjà qu'on allait chercher là-bas. Toi, tu t'étais caché dans la tasse. Peut-être il est dans les tasses. Ah non, je pense pas qu'il va refaire la même chose que moi. Bon, continue un peu de chercher. Ah, peut-être qu'il est dans les habits. Et comment on se cache dans les habits? Je ne sais pas, mais regarde là, il y a les casquettes de Peggy, peut-être sous une casquette. Oh, qui va se mettre sous une casquette? Regarde. Ah, bien sûr que non. Celle-là peut-être? Bah non. Oh, le voilà! Hey, bonjour Barry. Ah, je t'ai trouvé, mais il faut dire vraiment, c'était très très dur, hein? C'est vraiment le dernier endroit que j'aurais pensé que tu te caches. Bah oui, je savais que tu ne penserais pas à ça, mais voilà. Donc, est-ce qu'on considère quand même que j'ai gagné un petit peu? Ouais, de toute manière, c'est pour s'amuser, c'est pas trop grave qui gagne, qui perd, c'est de jouer le jeu, c'est ça qui a les meilleures idées de cachette, c'est ça qui compte. Vous comprenez? Ouais, c'est ça. Oh, vraiment. Alors, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui, qu'il fait froid dehors. Il n'y a pas de neige, mais il fait froid. Alors, nous, on est un peu quand même frileux. Qu'est-ce qu'on veut faire dedans? Un puzzle? Oh non, j'ai pas envie d'un puzzle. C'est trop dur pour moi. Bon, je vois ce que je veux jouer. Alors, regarde ce qu'il va faire. Oh, on n'a pas le droit, nous, on n'a pas le droit. Moi, je veux jouer au vernis à ongles. Oh, béni, ça c'est super interdit, tu peux pas jouer au vernis à ongles. Mais si, Peggy, elle met bien sur ses ongles, non? Pourquoi nous, on peut pas? Mais c'est que pour les grands. Et pourquoi c'est que pour les grands? Explique-moi. Mais c'est parce que. Parce que c'est pas une bonne réponse. Alors, Barry, lui, il a un peu l'idée. Tu sais, le vernis. Tu sais ce que c'est le vernis? Vernis, vernis. Qu'est-ce que tu veux dire? Le vernis, c'est une peinture liquide. Comment expliquer? C'est comme une peinture, mais
plus dur et plus, disons, si ça renverse, oh là là, les dégâts. C'est très, très, très difficile à nettoyer. Donc, si tu renverses du vernis sur le panier, sur la moquette, sur ta fourrure, sur mes habits, tu peux plus l'enlever. Oh, ça c'est embêtant, hein, vraiment. Moi j'aurais voulu jouer. C'est un joli rouge, regardez, c'est un beau rouge. Il y a des petites paillettes dedans. Et ouais, il va peut-être mieux qu'on demande, hein. Peut-être qu'elle va nous en mettre. Alors là, ça va, mais nous tout seuls, on ne doit pas. Va le remettre où tu l'as trouvé. Oh, vraiment. Ça m'embête même pas. Si vous dites que c'est mieux. Ah, mais après, on demande, hein, si on peut en avoir. Oui, quand on avait envie de demander. Allez, allez le ranger. Ok. Ah, Bidi, tu as l'air un peu nerveuse. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'ai faim. Moi, j'ai faim. Et vous deux? Bah ouais, c'est vrai. C'est déjà l'heure. Moi, chaque fois que j'ai faim, c'est l'heure. Et après, je ne dois même pas regarder la montre. Moi, je sais. Oui, Bidi, t'as raison. Qu'est-ce qu'on veut se faire? Moi, j'avais pensé à un beau morceau de saucisse. Comment? Mais oui, la saucisse, le saucisson vaudois, ça c'est bon. Oui, mais enfin, il faut manger autre chose aussi. Vous savez ce qui me ferait vraiment plaisir, qui me ferait un peu penser à l'été, au soleil, au potager. Non? À quoi tu penses à manger qui vient de l'été, plein de soleil? Une ratatouille. Oh, c'est vrai, ça c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire une ratatouille? Alors, il faut de l'huile d'olive. Oui, ça c'est vrai. Alors, d'abord, on met un peu d'huile d'olive dans la casserole. Après, on ajoute des oignons coupés fins en lamelles. Oui, tu oublies quelque chose. Mais on sait tous, il faut mettre de l'ail. Oui, l'ail, c'est bien quand c'est bien rissolé. Il faut mettre l'ail avec les oignons dans l'huile d'olive. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut mettre d'autre? Ça, c'est pas encore une ratatouille, hein? C'est que de l'huile d'olive, des oignons et de l'ail. Il faut absolument des courgettes. C'est quoi les courgettes? C'est les longs légumes verts. C'est pas des concombres, ça, quand même, que tu dis. Mais non, courgette. Enfin, tu as raison, ça ressemble. Courgette et concombre se ressemblent. Mais d'habitude, nous, on mange le concombre froid en salade et la courgette cuite. Mais bon, on peut aussi changer tout ça. Mais bon, la courgette est là, la chair un peu moins aqueuse, moins d'eau dedans. Et donc, on fait des petites rondelles en mettant l'oignon et l'ail. Ah, vous avez oublié ce qui est mon légume préféré dans la ratatouille, c'est l'aubergine. Oh, l'aubergine. Ouais, c'est un grand légume aussi qui a une drôle de forme, un peu long, mais qui est gros d'un bout et fin de l'autre. C'est l'aubergine. Et la couleur est presque noire, violet noir. Ok, moi je suis d'accord, aubergine. Et les tomates, il faut des tomates. Ouais, il faut des tomates bien mûres. Et qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas des tomates mûres? Ah, oh, on va devoir prendre une boîte alors, peut-être des pelati, et des tomates cuites mûres et mises en boîte. Ok, on va mettre des pelati. Qu'est-ce qui nous manque encore? Les herbes fines, le thym, le romarin, le basilic, le persil. Ah ouais! Et le sel et le poivre, n'oubliez pas le sel et le poivre. Tout ça, il faut pour faire une bonne ratatouille. Ok. Bon, moi, je crois qu'on a du travail, hein. Vous venez, on y va. Allez, nous, on va faire la cuisine pendant que vous faites un bon dodo. Et on vous dira demain comment elle est sortie, la ratatouille. Bye bye, bonne nuit Evana, bonne nuit Etam, gros bisous, bye bye, à demain.